Salut. De quoi faire en valeur. Alors, comment ça marche? Comme l'ancien pneu était détruit, j'en ai acheté des nouveaux, des 165 R13, et avec aussi une résistance spéciale fourgonnette, de quoi pouvoir tenir 700 kg chacun. Ben voilà, il n'y a qu'à essayer de le remonter. Qu'est-ce que c'est que cette pâte? C'est assez dur. Hein. Première étape. La galère au dernier quart, ça veut pas. Je vais essayer de rebadigeonner de pâte. Putain, ça veut pas. Eh ben, j'ai complètement défoncé la jante. Je suis d'ailleurs.
Ben voilà, le genre de réussite qui a un échec. Après, je pense que cette jante, elle était vraiment pas faite pour mettre un pneu comme ça moderne. Il aurait fallu mettre un truc avec chambre à air. Du coup, j'ai bien envie de racheter une jante moderne, au bon format, et y mettre le deuxième pneu dessus. Voir si j'y arrive, ce sera déjà un bon point. Bien préparer l'environnement avec des chandelles et un cric qui fonctionne pas comme le mien. Tac tac. Ça, c'est pour la finition avec amour. Hop. Plus qu'à espérer que ça tienne.
Et paf! Attention, petit coup de compression. Attention. Paf! Paf! La route brouette, elle fuit, je sais pas pourquoi. En tout cas, elle est complètement rouillée, la jante à l'intérieur. Et puis la jante de presse, je l'ai complètement défoncée. Je sais pas si c'est remodifiable, réattrapable. En tout cas, ça servira de décoration ou autre chose, on verra. Touk. Et avec ceci, la route se court. Plus qu'à espérer que ça roule en mode rock and roll.